Bonjour à tous et bienvenue dans notre Terre et Mer. Pour ce numéro, nous allons parler d'holoturie, autrement dit la pêche de mer. De la famille des échinodermes, comme les oursins ou les étoiles de mer, il en existe une multitude d'espèces. En Nouvelle-Calédonie, 4 d'entre elles sont particulièrement convoitées pour le marché essentiellement asiatique. Nous nous sommes intéressés à l'une d'elles, l'holoturie scabra, un concombre de mer particulièrement surpêché dans son milieu naturel, qui aujourd'hui intéresse l'aquaculture pour proposer une alternative à l'élevage de crevettes. Nous avons donc voulu en savoir davantage sur cet animal. De l'écloserie à l'élevage, en passant par la pêche jusqu'à la transformation. C'est tout de suite dans notre Terre et Mer. Bonjour, bonjour, bonjour. Laurent, enchanté. Enchanté. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc ici, c'est l'écloserie des concombres de mer. Donc, c'est une zone assez stérile. Je vais te demander de passer dans le pédilu et de passer les mains dans le bac d'iode. Donc, mes chaussures. Hein. Ouais, voilà. Ouais. C'est mieux, c'est pieds nus, mais si c'est deux semelles, ça va aussi. Comme ça, les deux. Ouais. Check. Check. Les mains aussi, juste au-dessus des coudes. C'est un protocole, c'est pour l'hygiène. Ouais, c'est de l'eau avec de l'iode. Okay. C'est donc pour désinfecter les mains et les pieds pour ne pas avoir d'intrants dans les côtés. D'accord. Le minimum. Parce que là, on travaille sur des animaux fragiles. Voilà. J'imagine. Ils sont fragiles à toutes les bactéries. Et après ça, je vais te demander de mettre une blouse. Okay. Laurent, on est venu te voir pour que tu nous parles holoturie, oui. Pêche de mer et notamment la scabra. Donc là, on est à l'écloserie. Est-ce que tu peux nous expliquer par quoi on commence? Est-ce qu'on va avoir des bêtes ou pas? À quel stade on est là? Donc ici, c'est l'écloserie de la SEA, qui est spécialisée dans les concombres de mer. Là, dans cette écloserie, on dispose de 92 mètres cubes d'élevage. En nombre d'animaux, ça représente, au moment de l'ensemencement, 20 millions d'œufs, en gros, ce qui est conséquent. Après, les survies finales sont aux alentours de 1 à 2%, ce qui est relativement faible, mais ce qui est correct pour cette espèce. Par rapport à l'élevage. Voilà. On va voir les différents bacs. On a différents types de bacs. En fonction de leur âge, quoi. Si on peut voir des larves dans les bacs. Du coup, il y a combien de bassins là? C'est des bassins de combien de litres? Là, on a des bacs de 2 mètres cubes. De l'autre côté, on a des bacs de 4 mètres cubes et de 5 mètres cubes, pour un total de 92. Et là, pour essayer de voir les larves, on est obligé d'utiliser une lampe et d'essayer de les voir dans le faisceau. Et là, on est à J19. Donc, normalement, il n'y a plus de larves. Ce bac-là, il en reste quelques-unes. Et notamment les différents stades de larves, si elles sont auricularia ou dolularia, en fonction de la couleur et de la taille. Donc là, on va regarder sous la bino le prélèvement qu'on a fait tout à l'heure, voir l'état de santé des larves. Donc là, on va regarder, voir si les larves sont actives, voir si on voit des prédateurs à côté des larves qui peuvent être des copépodes. C'est des animaux des petits animaux qui stressent et qui peuvent manger les holoturies et qui viendraient d'une mauvaise filtration de l'eau. Et malheureusement, de temps en temps, on en a. Voilà, on voit que ça bouge. Et on voit que c'est en bonne santé, non, c'est bien. Si tu veux regarder, Antoine. Ouais. Laurent, c'est vraiment petit là, on est à quelle taille là? Là, ça fait moins d'un millimètre, ça doit faire un demi-millimètre. Ah ouais. Tu vois le truc qui bouge? Ouais. Et là, c'est comment on l'appelle cette larve-là? Elle est à quel stade? Ça, c'est le stade Pentacula, et elle est fixée. Elle a un pied qui la fixe au bac, et le reste des tentacules lui servent à se nourrir. Les bagnettes qui sont la suite directe des élevages larvaires en écloserie. Donc une fois que les bestioles arrivent à entre 3 et 5 mm dans les bacs qu'on a vu tout à l'heure, on les récupère des bacs et on les envoie dans ces sacs en maille qu'on appelle des bagnettes. On va regarder en gros l'état de santé. Donc je vais en prendre quelques-unes là dans le fond du sac pour voir comment elles sont. Là, on voit que c'est joli, hein. Ils ont les spicules bien sorties. Elles piquent hein, quand on les touche. Et ça, c'est signe de bonne santé, quoi. Et là, on voit qu'il y en a beaucoup, donc c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Tout va bien.
Voilà. On va sortir le sac pour voir la totalité de qu'il y a dans le sac. Anton, je vais te demander un coup de main. Ouais. Je vais prendre le bord là, celui-là, là. Okay. Et le tirer tout doucement. Okay. En remontant, comme ça. Ouais. Sans que ça touche. Hein. Ouais, mais si ça touche le sol, c'est pas trop grave. C'est juste qu'il faut pas que le sac s'ouvre. Voilà. Okay. Le monte. Vas-y, monte. On sort. Vas-y, on sort. Voilà, super. Bon. Ça, l'eau est partie, c'est beaucoup moins lourd. Okay. Là, on le tend bien. Ouais. Et on le secoue. Et donc là, le... Donc en gros, là, il y en a 700, en gros. Hein. Okay. Donc, et là, le contrôle que vous cherchez à faire, c'est quoi? C'est voir le... Voir l'état de santé général. Et l'évolution de la version. Voilà. Et le poids qu'elles font, en combien de temps elles ont grandi, où est-ce qu'on en est, si elles sont livrables en bassin, aux alentours d'un gramme et demi, entre un gramme et demi et deux grammes et demi, et on veut voir à quel poids elles sont par rapport au moment d'ensemencement des bassins. De la production de crevettes, et le but de l'holothurie, ce serait de faire en alternance et des crevettes et des holothuries en alternance pour améliorer les fonds de bassin et pour améliorer les survies des crevettes par la suite. Du fait que l'arrivée des concombres dans le bassin aère le sol et casse le cycle bactérien déjà en place. On a aujourd'hui 106 hectares de bassins qui ont été ensemencés en concombres, ce qui est quand même considérable. Et sur ces 106 bassins, sur ces 106 hectares, on va avoir les résultats une fois que les crevettes vont être réensemencées, ensemencées une deuxième fois. Pour la probe de crevettes suivante, suivant la production de concombres, on aura les résultats là au mois de juin. Ok, donc là les concombres ils font plus de 2 grammes, donc ils sont prêts à être livrés sur les fermes creviticoles dans les bassins. Et là aujourd'hui on attend les clients, donc on va les reposer dans les bagnettes en attendant de les livrer. Laurent, ça tombe bien, nous te laisse continuer parce que en ce moment ils sont en train de pêcher du côté de Poya et on s'y est rendu. Donc on va voir un peu comment se passe la pêche et voir un peu à quel stade elles en sont rendues. On regarde. Donc alors après la pêche, les animaux sont donc amenés ici. Je vais les peser et une fois qu'ils auront été pesés, ils vont aller dans des bains donc avec de l'eau de mer jusqu'à ce qu'on les éviscère sur la table avec les pêcheurs là-bas. Donc voilà, je vais faire des clayettes de 25 et ensuite je vais noter le poids. Ça nous permettra donc d'avoir des données sur l'élevage, en l'occurrence le poids des animaux, savoir s'ils ont grossi ou non. Et voilà, avoir un suivi effectivement des animaux. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au toucher, les animaux sont des animaux visqueux, hein, remplis d'eau. Par contre, il faut savoir que c'est inoffensif, hein, c'est simplement la texture, l'aspect. Donc voilà, c'est des animaux qu'on a reçus à l'âge de. Enfin, qui pesaient environ 5 grammes. Maintenant, il faut savoir qu'au bout de 2 ans, c'est des animaux qui pèsent 300 grammes. Donc voilà, c'est des animaux à taille adulte. On peut avoir deux couleurs différentes, donc il y a la couleur noire ou beige rayé comme ça, mais c'est la même espèce. Hein.
Donc voilà, c'est vrai que c'est des animaux qui aiment bien fouiller. Donc nous, c'est vrai que c'est intéressant de par le fait que ça va aérer le milieu, ça va retourner vraiment le fond de bassin et donc permettre après d'avoir un élevage de crevettes plus sain. Nous, sur les élevages de crevettes, on a un travail entre deux élevages qui est donc de retourner la terre, hein, comme un agriculteur ferait lorsqu'il laboure son champ. Là, les holoturies vont nous permettre de ne pas faire cette étape, puisqu'elles le font elles-mêmes tout au long de leur vie, en fouillant le sédiment. Donc, de façon mécanique, elles vont constamment aérer le milieu. Et aussi, elles se nourrissent de tous les détritus, finalement. C'est des animaux détritivores. Donc, en plus d'aérer le milieu, elles vont nous laisser un milieu qui est sain. Voilà, donc ici, on est à la table donc, d'éviscération, où les animaux donc, vont être éviscérés un par un. Donc, pour ce faire, effectivement, il y a une technique. Hein. Donc, on prend l'animal. À partir de là, il faut repérer donc l'anus de la bouche, puisqu'effectivement, l'éviscération va toujours se faire par l'anus. Donc, la bouche d'une holoturis se trouve toujours orientée vers le bas, donc vers le sédiment, tandis que l'anus est plutôt sur le dessus. Voilà. Donc, on prend l'animal comme ça, on présente la lame directement dans l'anus. Et là, on fait vraiment une petite entaille. On essaye de pas trop abîmer la bête. Voilà. Voilà. Donc on presse l'animal vraiment jusqu'à ce qu'il n'y reste plus rien. Parce qu'il faut savoir que dans notre bassin, on a retrouvé pas mal d'animaux aussi qui étaient remplis d'œufs. Donc au-delà des intestins et des viscères, on trouve souvent des œufs aussi. Donc faut pas hésiter à bien vider l'animal. Et voilà, une fois qu'il est vide. Donc effectivement, dans ces bacs, il y a une petite particularité, à savoir qu'ils sont tous percés afin que le jus qui reste dans les animaux puisse s'évacuer. Et donc le principe, c'est de saler le fond du bac. Là. Et donc après, on empile les animaux en quinconce. Donc on met les animaux dans le sel vraiment pour les conserver. Hein. C'est vrai que le sel est un très bon conservateur. Et surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment, donc en ce moment, on pêche sur 3 jours, donc 6000 animaux par semaine. Et donc effectivement, les animaux sont envoyés comme ça à l'usine, à savoir conditionnés dans ces bacs bleus, remplis de sel. Et à la suite de ça, ils sont recomptés à l'usine, repesés, ils vont être cuits. Et ensuite, l'usine nous renvoie les chiffres, à savoir qu'il y a différentes catégories en fonction du poids de l'animal une fois qu'il a été cuit. Plus il est gros et plus l'épaisseur de son tégument est épais, et plus effectivement l'animal va prendre de la plus-value en fait. Donc après ça c'est l'usine qui traite cette partie-là. Donc voilà, je vous invite à aller visiter l'usine quand vous pourrez. Bonjour Antoine. Hello. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Bon. Oui. Dis-moi Johan, je vois plein de pêches de mer partout. C'est celles qui ont été pêchées notamment à Poya? Ça, c'est des biches de mer qui viennent de deux fermes de Poya. Ok. Que tu as dû visiter avant de venir ici. Voir. Voilà. Donc elles arrivent là. Là, on est sur le
Produit fini ? Là, on est sur un produit qui est en train de finir le séchage. Okay. Donc, c'est un produit qui est presque fini. Par quoi on commence alors ? Elles arrivent depuis Poya. Elles arrivent éviscérées et salées. Oui, ce qu'on a vu. On les reçoit ici. On les sort de leur selle. Okay. On attaque une cuisson. On peut aller voir ? Oui, on va aller voir tout de suite. Il n'y a pas de problème. Viens. Première étape. Alors, la première étape, là, tu arrives dans notre salle de cuisson. Ok. Voilà. Okay. Alors là, c'est ma salle de cuisson. Les marmites. On est équipé de 4 marmites de 400 litres, dans lesquelles je peux mettre au maximum 200 kg de loturie fraîche par marmite, ce qui me fait une capacité de cuisson de 800 kg d'animaux. Ah ouais, par cuisson. Par cuisson, voilà. Et alors, ça met combien de temps à peu près à cuire ça... Alors ça, c'est notre grand secret. On a un super bon protocole qui plaît aux acheteurs. Et ça, on ne peut pas trop le dévoiler. Voilà. Bon, on ne saura pas tout et c'est normal. Chacun ses petits secrets. Mais pourquoi est-ce que vous les faites cuire avant tout ? Alors avant tout, on les fait cuire pour pouvoir enlever le calcaire qu'elles ont. D'accord. Voilà. Parce que c'est la scabra et la scabra, elle a beaucoup de calcaire à nettoyer. En réduisant à la cuisson, elle. Voilà. C'est une des biches les plus dures à traiter parce qu'elle est pleine de calcaire. D'accord. Et c'est très dur à enlever. Donc après ça, se passe le nettoyage. Après, on passe au nettoyage. Voilà, exactement. Allez, on y va. Okay. Alors, voilà Antoine. Ça ici, c'est notre salle monsieur de nettoyage. Pardon de vous déranger. Ah ouais. Et là, elles ont déjà bien réduit, là. Voilà. Alors, après la première cuisson, on les passe dans des bassines comme ça. OK. Et en fait, nous, ce qu'on vient enlever, c'est ça, là. Tout le blanc, là. C'est le blanc qui est dessus, là, tout le calcaire. Voilà. Okay. Et là, comme tu peux voir, elles ont déjà réduit. Tu as dû voir à Poya, elles étaient un peu plus mastoc que ça. Et voilà, déjà, la réduction qu'il y a eu. Et là, vous en passez combien, à peu près, par jour ? Alors par jour, on a une charge maximale de 3000 animaux avec l'équipe qu'on a et l'outil qu'on dispose. Okay. On travaille à peu près 9000 animaux par semaine. Parce qu'il y a d'abord les premières cuissons, il y a les nettoyages, il y a toutes les mises en table, il y a du travail derrière, quoi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission pour Promo Sud. Vous occupez de tout ce qui est agroalimentaire et notamment les bêches de mer. Thomas, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quel est tout ce projet, tout ce travail ? Alors en fait, ça a démarré il y a déjà très très longtemps puisqu'on cultive des holothuries en Calédonie depuis peu. Mais la pêche, c'est une pêche qu'on fait depuis 150 ans. Donc ça fait 150 ans qu'en Calédonie, on pêche des bêches de mer, on les transforme et on les envoie sur les marchés asiatiques. On a même exporté des bêches de mer avant de faire du nickel. À l'époque, c'était la bêche de mer et le santal. Le marché, c'est vraiment un marché essentiellement asiatique. Les Chinois sont très très friands de ce type de produit. À l'époque, d'ailleurs, c'était un mets impérial. Et donc, la Chine se démocratisant et s'enrichissant, tous les Chinois ont envie un jour ou l'autre de pouvoir goûter ce produit. Comme nous, on essaiera de goûter au caviar. Eux, ils veulent pouvoir manger des holothuries. Et pour ce qui est... alors, pourquoi ? Eh ben, parce que c'est un produit qui a beaucoup de qualités. On lui accorde des qualités de jouvence avec des analyses que nous, on a fait très récemment. Et on a pu s'apercevoir qu'effectivement, dans ces holothuries, on trouve... des oligo-éléments, on va trouver des vitamines, des oméga-3, plein de bonnes choses. Et donc la scabra, sur les marchés internationaux, fait partie des deux ou trois espèces qui valent le plus cher. Sur le marché asiatique, Thomas, quels sont les critères qui font qu'on a un produit de qualité ou pas ? Qu'est-ce qu'ils vont regarder ? D'abord, il y a plusieurs tailles. Ouais.
Et après ça, eux, ils veulent un animal qui a été vraiment bien, bien nettoyé. D'accord. Et comme on peut le voir, on a des animaux qui ont tous exactement la même couleur, ils sont tous bien droits, bien dodus. Voilà, c'est ça qui fait que le produit se vend bien. Et puis vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, il y a plusieurs cuissons, il y a le nettoyage, il y a le séchage avec beaucoup c'est de matériel. Sacré boulot. Vous avez vu que chaque holoturie a été piquée avec un petit pic à machin. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire avant d'avoir le produit. Ouais. Donc pour le moment, c'est pas encore complètement rentable, mais on désespère pas. Okay. Thomas, merci. Et puis on va retrouver Johan qui doit être en train de bosser à côté. À bientôt. À bientôt. Johan, on te retrouve dans l'étape qui précède qui suit le coup de karcher, le nettoyage. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ben, je les dispose bien. Elles sont propres. Je les fais un peu sécher. Et un peu, c'est combien de temps? Un peu, c'est une fois qu'elles sont sèches dessus et dessous, je les remets à l'eau salée. D'accord. Parce que là, en fait, Tu les refais cuire. Il y a encore une deuxième cuisson. Non. Ouais, en fait, je vais surtout, comme on les nettoie à l'eau douce, moi, je vais surtout les re-ramener dans l'eau salée. Ok. Parce que comme ça, ça les conserve mieux. Et je tue une dernière fois les bactéries avant d'attaquer le séchage, quoi. Ouais. Alors après, ben, on a différents calibrages. Ça va du A+, la meilleure qualité, le A, le B, le C, le D. Et c'est la plus petite. Et le déclasser. Et comment les... Alors nous, après, on a des petites balances et on les pèse une fois qu'elles ont plus d'humidité et qu'elles sont totalement sèches, quoi. Vous pesez les holoturies une par une? Une par une, sachant ouais. que par semaine, il faut en faire combien? Tu disais près de 9 3 000, 9 000, 9 par, 000 semaine. Par semaine. Et on les nettoie une par une et on les replace une par une et on les pique une par une et on les pèse une par une. Dernière étape avant qu'elle soit. Dernière étape, c'est au conteneur. Okay. Allez, là je vais t'ouvrir mon conteneur. C'est là où mes biches elles sont en train de finir leur séchage avant leur gradage final. Voilà. Alors, ça, c'est des produits finis. Tu entends le bruit? C'est du caillou. Ouais, voilà, écoute le bruit. Là. Ça, c'est super important pour l'acheteur. Quand il arrive, c'est le premier truc qu'il fait. Ah ouais? Ouais, il prend une holoturie, il la jette sur la table. Et quand elle fait un petit bruit de caillou comme ça, là, ça, il adore ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de. Voilà, c'est un produit sain. C'est un bon produit, voilà. Après, il regarde s'il n'y a pas beaucoup de calcaire. Si les produits sont homogènes, qui se ressemblent un peu tout. Et puis après, il fait un test d'humidité. Ouais. Et après, il signe et il achète tout. Il achète. Voilà. Tu vois, Antoine, là, je vais te montrer un autre aquaculteur qui a ramassé ses biches en bouteille. Dans son bassin? Dans son bassin. Ouais. Et lui, il avait... Il les a sélectionnés, quoi. Ouais. Lui, il avait pris un cut, ça veut dire un poids moyen de 400 grammes. Et voilà le résultat, ça nous amène des belles biches. Donc quand tu vois un résultat final comme ça, ben on peut être fier de l'équipe de la STHNC et puis des aquaculteurs. Là, on est vraiment sur le produit par excellence. Tu peux sûrement faire mieux, mais voilà, pour moi, c'est très bien. Pour pouvoir la manger, eux, ils la reprennent là-bas. Ils la refont tremper entre 2 à 5 jours. Donc là, elle va faire comme une éponge. Elle va reprendre sa forme initiale à peu près. Et une fois qu'elle a ramolli, après, ben, il la coupe. Alors ça part du carpaccio au plat en sauce. Quoi. Et justement, nous ici, on n'a pas l'habitude d'en manger. J'imagine que toi qui travailles dedans, tu les as goûtés quand même. Moi, j'en ai déjà goûté, oui. Comment ça se cuisine? Qu'est-ce qu'il y a? Alors nous ici, moi, je l'ai goûté jamais seul. On la mélange. Alors, ou on la mélange avec des fruits de mer. Ouais. Ou on la mélange avec une viande comme le porc ou le poulet et ça prend le goût de la sauce qu'on met avec. La texture pour moi elle se rapproche de la couenne de cochon. Ok. Voilà. Moi j'en ai déjà mangé avec des crevettes, des calamars, tout ça. Une petite sauce sautée, satée là.
Et la couenne du cochon, ouais, c'est un peu... Ouais, voilà, il y a la petite peau et puis la petite... chair, là, qui est gélatineuse un peu. Ouais, voilà, une petite gelée. Et à manger, c'est dur. Ben, ça a vraiment la texture de la couenne de... Ouais. La peau de cochon, la couenne de cochon. Et si je comprends bien, Yohann, il faut quand même l'accompagner d'un plat en sauce ou... Ouais, voilà. Ben, eux, après, ils la mangent aussi tout seuls. Nous, ici, en carpaccio. Ouais, en carpaccio. Ou en soupe, ou après ils font même des gâteaux avec, ils la réduisent en poudre. Moi ça passe par. Et les vertus, ce qui paraît. Les vertus, alors ça, c'est ça pour ça que les Chinois ils s'en foutent après ça. Ça leur amène une bonne santé, ça lutte contre le cancer. Et chez nous, ben, on nous dit de manger une pomme par jour pour être en bonne santé, et chez eux, il faut manger une holothurie par jour. Et... Bah, il y a du boulot encore hein, pour ah, chez y a nous. Du boulot encore. Parce que manger ça une fois par jour, spécial. Mais peut-être faut s'y mettre, hein, parce qu'il y a de la ressource c'est aussi. Ça aussi. Ouais. Voilà. Sachez quand même qu'un produit de cette taille comme ça, la bêche de mer Scabra, ça vaut plus cher au kilo que la langouste. Donc je pense que ça vaut quand même le coup de goûter. Nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt.